Et salut, eh ben ça me fait bien plaisir de vous retrouver dans ce petit hall action. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a, ouais, je crois, il y a deux articles qui vont, on va dire, nécessiter, enfin c'est moi qui ai envie de faire ça surtout, de vous montrer des petites mises en scène, ce genre de choses, notamment pour un petit vase que j'ai envie de customiser. Donc vous verrez bien évidemment l'objet en lui-même, je vous le présenterai comme ça sous forme de haul. Et un petit peu plus loin dans la vidéo, je le customiserai, mais assez rapidement, peut-être en accéléré, comme j'aimais beaucoup faire quand je faisais des DIY. Et il y a un autre élément, ça c'est, je vous le montrerai pareil, mais de façon installée. Il y a un petit peu de papeterie, de déco, et au niveau aussi, on va dire, salle de bain, hygiène. Je commence donc avec l'un des deux objets que je vous présenterai un petit peu plus tard de façon plus approfondie. Ça, c'est parce que quand je suis chez Action, j'emballe les choses qui sont fragiles. Et là, on est sur quand même un vase. Ils ont très souvent des vases de formes différentes. À la base, je le voulais carré, mais celui qui était carré était un petit peu trop épais, je trouvais. Mais celui-ci est plutôt sympa et sa forme va permettre en fait de faire des... C'est ce qui d'ailleurs m'a donné envie. Je me suis dit, tiens, celui-ci peut être super intéressant à customiser. Je ne sais absolument pas au moment où je vous tourne ça, comment je vais faire. Mais c'est ça que j'aime bien. Moi, c'est au fur et à mesure. J'aime bien improviser sur tout ce qui est déco. Donc voilà, on a une petite... on a un truc un petit peu plus incurvé. Alors, apparemment, ce vase fait 14 cm par 14 cm. Et il coûte 2,49€. Franchement, autant dire que... Ça valait vraiment le coup, je trouve. Ceci, alors oui, on est sur des fleurs, des fausses fleurs, mais je vais les couper. Ça va vraiment m'aider à accessoiriser ma déco du vase. Ils en ont pas mal. Alors, il y en a qui sont un petit peu trop kitsch, on est d'accord, avec des teintes trop criardes, pour le coup, ça fait vraiment très faux. Je trouvais que celle-ci était pas mal. Il y avait la même de façon blanc, enfin blanc, j'ai hésité. Mais ils ont des fleurs sympas, notamment si vous voulez faire des décorations. Parce que là, il y a des trucs vraiment sympas, notamment dans des cadres. Tu peux faire des trucs très, très, très jolis, je trouve. Du washi tape, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais acheté, parce que j'en ai tellement. Là, on est sur un petit dégradé de rose pastel, un parme qui est ravissant. On est d'accord, le washi tape de chez Action, ça tient pas super bien. Mais parfois j'ai de belles surprises et j'ai quand même fait des créations qui datent d'il y a plus d'un an et qui tiennent très très bien encore. Cette palette de stickers Strass noir, pareil, ça va être pour faire des customisations. Je vais très certainement l'utiliser pour le vase parce que j'aimerais bien faire un effet baroque. Et là, ça s'y prête complètement avec les petits points, surtout là, tout ce qui est pampis décoratifs comme ça. À ce niveau de la vidéo, je me rends compte que j'ai oublié de vous donner les prix. Donc cette fleur, 1,99€. Voilà. Le washi tape, 89 centimes. Je reviens donc avec ma planche de strass qui a coûté 79 centimes. Un petit calepin tout simple, doré. Pareil, des petites idées comme ça en vrac, des choses qu'on a envie de noter très vite. Hop, on prend, on tire. Et c'est parfait. Par contre, je n'ai plus le prix parce que c'était sur un deuxième ticket. Mais voilà, c'était dans les éléments de papeterie. Et on le sait tous, c'est vraiment pas cher chez Action. Et c'est plutôt super mignon. Toujours dans les éléments papeterie, ces petits carnets, c'est pour notamment découper la page. Derrière, c'est blanc. On écrit un petit mot quand j'envoie pour des concours, pour remercier, ce genre de choses. C'est sympa, tu fais tes propres créations. Et là, on est sur Sweet Color, voilà, avec des graphiques, des modèles, des couleurs différentes. Celui-ci était sur l'autre ticket, donc je ne sais pas le prix. Ensuite, rien à voir, c'est une spatule pour faire des petites tranches toutes fines. Regardez, on a la partie là, je fais gaffe, je ne vais pas me couper quand même, pour couper des petites tranches ultra fines de fromage. Et puis on a la partie si on peut, enfin si on peut, si on veut le suspendre. C'est, je pense, ouais, c'est en inox. Et ouais, c'est mignon, ça fait vraiment des petites tranches très fines le matin ou midi, ou quand tu reçois du monde, ça fait super, ça rend bien. Et ce cheese slicer, c'est comme ça qu'il l'appelle, a coûté, pareil. Ah si, spatule à fromage, pardon, 99 centimes, ça va. Ensuite, alors, il s'agit de sous-verre. Je les ai pris parce que depuis que j'ai ma nouvelle table blanche, il était bien écrit qu'il faut absolument mettre aucune matière chaude, sinon ça va gondoler, des tasses à café, ce genre de choses. Donc,
J'ai acheté, j'ai déjà mes sous de verre qu'on m'avait offert, qui viennent de Suède et que j'adore. Mais je n'avais pas le petit support bois, donc ça coûte 49 centimes. Bien évidemment, je les garde, hein, les petits sous verres, ils sont très mignons aussi. Mais c'est vraiment pour avoir ce petit boîtier. Et en fait, je préférais les avoir comme ça, que ce soit rangé de façon verticale. Et je viens les glisser sous ma petite table blanche. Dans la partie hygiène, j'ai pris ce gel douche Nivea Care & Coconut. Donc ça sent la noix de coco, c'est avec du jojoba. Ça sent super bon. Et ce gel douche de 250 ml coûte 1,79€. Ce dentifrice, je pourrais ne pas vous montrer, c'est un dentifrice, mais pas n'importe lequel, j'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment complet, Oral-B Pro Expert. Je vous en avais déjà parlé peut-être, mais je trouve qu'il a tout ce qu'il faut pour être un bon dentifrice, carie, gencive, plaque, sensibilité, tartre, haleine, émail, blancheur, et c'est vraiment le Pro Expert qu'il faut prendre avec bouclier anti-sucre. Ensuite, c'est un grand tapis. Enfin, un grand tapis. Je vous donne les mesures. Il fait 130 par 190. Je l'ai pris pour donc ma nouvelle table basse dans le salon. Il y a un petit tapis qui, je trouve, se marie pas très très bien. Et j'ai voulu tester. Donc, il coûte 19,90€ ou 19,99€. Donc, c'est l'un des deux, je crois. Et je trouvais sympa, c'est donc en madras, il y avait la possibilité de l'avoir, moi je l'ai pris dans les tons plutôt gris, il y avait un petit peu plus doré, plus chaud. Dans tous les cas, si jamais ça ne va pas au niveau du salon, je peux le mettre dans cette pièce là, dans l'autre pièce en haut, il trouvera sa place. Donc on a la partie ici pour justement voir un petit peu, oula, je touche, je pense que ça va plaire à Jack ça, ouf, faire les griffes. Bien évidemment il ne passe pas à la machine. Il ne faut pas le repasser. Et il est Made in Europe. Donc, je vais vous montrer l'installation de ce petit tapis. Et je vais vous montrer également, très rapidement, comment, si j'ai réussi, j'ai envie de customiser mon petit vase. Voilà. Je vous laisse. Je vous fais un énorme bisou. J'espère que ce haul action vous aura plu. Dites-moi en commentaire si du coup, ce petit concept de vous montrer des éléments, de les customiser, de vous montrer également comment je les ai installés, vous plaît. Et je pourrai le faire plus régulièrement de façon à ce que ce ne soit pas un simple haul action. Je vous laisse donc maintenant. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à très très vite, vendredi en fait, pour la reprise des vlogs. Salut.